ravitaillement. Monsieur Drezer est prié de se mettre en contact avec le centre opérationnel. Dis, Biro, t'as vu Alain? Il a au moins une minute de retard. Me voilà, juste en dessous. Ça, une voiture, toi, cette merde? Qu'est-ce qu'elle a? Rien ne va, c'est une charrette. Et puis là-haut, ce maudit moustique. Ouais, je te comprends. On va pas le voir pendant la régate, j'espère. Non, non, sois tranquille. T'as vu, papa? En voiture ou en voilier, c'est toujours le plus fort. C'est pas aussi intéressant que l'année dernière. Le temps sur le Bosphore était horrible, mais j'espère que son vol ne sera pas retardé.
Il a le diable avec lui. La tempête qui sévit brutalement sur les côtes de Turquie compromet le trafic maritime, en particulier sur le Bosphore. On craint que le phénomène ne dure pas moins de 3 heures. Entre vite, Libertad. Tu as vu cette tempête? Je suis gelé jusqu'aux os. Est-ce que tu fais le tour de nuit? Toute la semaine. J'espère que je ne vous réveille pas. Non. Qu'est-ce qui se passe encore, hein? Un accident. Un autre accident. Un avion iranien, cette fois, on dirait. Encore et toujours à cause de la tempête, je crois. Aux dernières nouvelles, il serait tombé dans le Bosphore. Bosphore? Hein? Bonne nouvelle. Le Bosphore a dragué, c'est tout. D'ici, on ne voit pas grand-chose. Et vous, là-haut, est-ce que vous voyez mieux? Non, l'eau est double. Je fais demi-tour. C'est assez pour aujourd'hui. On rentre. Ok, nous aussi. L'appareil s'est peut-être désintégré en vol, ou alors il tue au fond de la mer. Les deux seuls Européens à bord, deux Suisses, l'avocat Sandro Gori et le géologue Georges Lubis, sont considérés comme disparus. Belle aventure. Ce n'est pas un voyage très commode, n'est-ce pas, maître Gori? Vous me connaissez? Oh, à travers les journaux. Et si jamais il arrivait quelque chose et que vous passiez à travers, pourriez-vous donner cette valise à ma fille Magda à Genève? Je vous en serais très reconnaissant. Comment se sent-on aujourd'hui? On ne sait rien encore. Dites, quand va-t-on m'enlever tout ça? Disons 2 semaines, et j'espère que votre nouveau visage vous plaira, mon cher maître Gori. Nouveau visage? Eh oui, vous avez eu un accident. Qu'est-ce que je faisais sur le Koweït Genève? Ah, ça, je n'en sais rien. Peut-être le touriste? Ou alors des affaires? C'est un pays où l'on fait des affaires, à ce que j'ai entendu dire. Et où m'avez-vous trouvé? Sur les rives du Bosphore. Vous étiez évanoui, le visage complètement dévasté par le feu, pas reconnaissable, à demi-mort. N'essayez pas de vous rappeler maintenant. Je vous suis très reconnaissant. Ce n'est pas le moment d'en parler, nous avons tout le temps, vous savez. On va essayer de reconstituer votre mémoire. Pouvez-vous avertir ma fille à Genève? À l'adresse de la carte de visite? Oui, je crois, oui. Tout est tellement brouillé. Ne craignez rien, maître, je vais m'en occuper. Soyez tranquille. À plus tard. Je suis Magda Gori, qui est-ce? Je vous parle d'Istanbul, la polyclinique Salus. Il y a eu un accident d'avion il y a quelques jours, un typhon sur le Bosphore. Oui. Nous soignons l'avocat Gori et je voulais que vous le sachiez. Un accident? Où est-il maintenant?
Je suis en train d'écrire. Quelle est l'adresse? À Istanbul. Rue Vatan. Arrêtez. Tu as su, Jessie? L'avion est tombé. Gori, l'avocat, est à Istanbul, dans une clinique. Une clinique? Allez. Allez, dehors. Tout dehors, je vous dis. Comment l'as-tu appris? Hé hey, vous avez vu? Tragédie sur le Bosphore, un seul survivant. Tu avais raison, il y a le diable de son côté. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Si tu es intéressé par les diamants, et je crois que tu es intéressé par ces diamants, tu vas prendre le premier avion pour Istanbul, et tu vas aller trouver cet avocat, tu comprends? Oui, mais... Et si la fille de Gori est en peine pour son petit papa, emmène-la avec toi. Connard. Rappelle-toi que c'est un boulot. Tu n'es pas en vacances. Tiens-nous au courant. Chérie, je peux faire quelque chose pour toi? Oui, va suivre ce paumé. Assure-toi qu'il prenne bien l'avion. C'est déjà ce que tu vas me dire, qu'il n'y aura pas de consigne. En effet. Mais nous sommes en train de suivre une piste. Et de toute façon, l'ordre est de rentrer à la base. Et de tenir les yeux ouverts. Un Schweppes. Alors? Il y a un gars derrière. Il est intéressé par Gori. Si tu me suis, je vais pouvoir te le montrer. Le meneur n'a rien voulu savoir. Qui êtes-vous? Un ami. Et que voulez-vous? Allons parler ailleurs, ici il y a trop de boucan. Thank you.
ami. Robert, c'est ton conseiller, tu ne vois pas? Tu ne te souviens pas? J'ai perdu la mémoire, je me rappelle à rien. Faudra m'aider, Magda. Faudra tout m'expliquer. Tu te souviendras de la valise, j'espère. Celle que tu avais liée au poignet, celle des diamants. La valise? Les diamants que t'a confiés l'émir, il voulait que tu achètes des armes pour lui. Tu ne les as pas perdus. Des armes, des diamants. Oh mon Dieu, papa, tu ne vas pas jouer avec moi. Mais enfin, qui suis-je? Un grand avocat qui a la confiance de gros industriels étrangers. Abdul Pacha attend les armes qu'il a payées en diamants. Chut, il y a peut-être des micros. Quand tu as été à l'aéroport, tu m'as téléphoné en me disant que tu étais préoccupé, que tu as été au Koweït pour faire l'intermédiaire, que tu avais les diamants et que tu avais peur d'être suivi. Tu t'en souviens? Lorsque vous étiez au Koweït, j'ai téléphoné à Mark à Amsterdam pour prendre des accords pour les armes. Qui est Mark? Mark, c'est celui que vous avez sauvé de la prison. Il y était enfermé pour trafic de drogue. Papa, tu n'avais pas de secret pour ton secrétaire. Mais si tu préfères que nous parlions seul à seul... De quoi va-t-on parler? Pardonnez l'intrusion, mais il faut qu'il se repose. Il faut qu'il dorme. À demain matin, papa. Bon repos, cher maître. Au revoir. Au revoir. Oh, inspecteur. Puis-je vous être utile? Non, ce n'est qu'une visite. Allez-y. Vous croyez qu'il s'en tirera? Il est désormais hors de danger. Si j'en savais un peu plus sur son compte, je pourrais le soigner un peu mieux. Ça, c'est évident. Mais vous avez fait une enquête. Est-ce que vous savez quelque chose d'intéressant? Quelque chose qui serve de diagnostic? Il avait avec lui une valise et nous l'avons identifiée. Je regrette, docteur. Rien qui puisse vous aider. Alors, tant pis. Viens d'arriver. Professeur, c'est Istanbul. Je parierai que tu es Magda Gori. Magda, oui, j'ai un travail intéressant. Je suis prêt. Alors, fais tes valises et viens ici au plus vite. Demain, ok? Ok. Mais sans discuter, on fait 50-50. Bien. On se voit demain à l'aéroport. J'appellerai aussi Marc. Il est exubérant, mais il est efficace. Il est trop pris par sa putain. Mais qu'il vienne avec elle, ça veut dire quoi? Fais-le venir. Mademoiselle, donnez-moi Amsterdam, 274481. Attention, s'il vous plaît. Les passagers du vol Amsterdam, Rome, Istanbul sont priés de se présenter au contrôle de police. Passagers du vol Amsterdam, Rome, Istanbul sont priés de se présenter au contrôle de police. Hey, t'es en grande forme, Alexis.
Bon, alors on se voit à l'hôtel. Hein? Alors, tout à l'heure, les gars. Les taxis sont là derrière. Là. Là, on passe. Reste à l'air. Occupe-toi de tes affaires. Et enlève-toi de là, sinon tu vas prendre une contredanse. Allez, allez. Oh, quelle manière. Un renseignement. Est-ce qu'il y a une guerre en cours au Corée? Quelle drôle de question. Je ne suis qu'un docteur, j'ignore ces choses-là. Ah oui, il y a un émir qui fait là-bas une sorte de querelle privée. Il est très riche, il a des diamants. J'en ai entendu vaguement parler. C'est plutôt intéressant. Ah, il a des diamants. Et c'est surtout un exalté, cet émir. Pensez à cet homme. Il est si riche et il se rebelle. C'est bête, hein? Ah, c'est réussi comme résultat. Bougez les mains. Bougez les doigts. Parfait, hein? Le chirurgien a fait des miracles, vous ne croyez pas? Et en ce qui concerne le visage? Dans ce cas-là aussi, vous y aurez gagné, car vous semblerez plus jeune. On a supprimé pas mal de rides. Vous verrez, dans quelques jours, on enlèvera les pansements. Mais est-ce que je dois rester couché tout le temps? Je pourrais peut-être aller me promener dans le jardin. Si vous ne craignez pas qu'on vous prenne pour une momie égyptienne, allez-y. Le docteur et les pêcheurs disent qu'on l'a trouvé sur la plage de Chile. Ok, il ne nous reste plus qu'à chercher dans les parages. Je vais faire les recherches en commençant d'ici à là, c'est clair? Est-ce que tu as une vague idée du temps que ça va te prendre? Arrêtez, vous deux. Même la police aura du mal à procéder à de profonds et plutôt coûteux dragages, parce que selon moi, l'appareil a dû plonger tout entier. Alors il sera dans le fond, caché par les algues, c'est pas évident. Sera chercher une aiguille dans une meule de foin. Et il faudra se cacher. On plongera le matin en partant d'assez loin. Bonne idée. Magdagory, je crois que vous devriez venir à la clinique Salus. Il y a l'avocat Gory qui voudrait vous voir. Il dit qu'il s'ennuie de vous. Il dit qu'il en a assez de rester tout seul. Il veut peut-être plonger à notre place.
Ou alors, nous donner l'exemple. À votre santé. C'était du bluff, la valise enchaînée au poignet. Les diamants étaient dans la grande valise. Un double fond. Ah, c'est pas comme ça, les dents. Dans la petite, ils mettaient des documents. Les douaniers, c'est évident, étaient attirés par la petite chaîne. Et l'astuce fonctionnait, car la grande valise, il l'a laissée passer. Ça a fonctionné ainsi plusieurs fois. Quelle belle comédie! Il n'y a pas que les douaniers qui se sont fait avoir, nous aussi. Et alors? Pourquoi veut-il te parler cela seul? C'est louche. Dis que c'est pas vrai. C'est pas vrai, et tu le sais bien. Il cherchait à nous avoir, et c'est tout. On ne va pas commencer à se déchirer entre nous. Dis-lui qu'il y a le fond de la mer à draguer, et ce n'est pas rien. C'est moi de nouveau, Laura. Ok, prends l'avion et viens. Tu vas directement à Chile et... tu cherches un bon plongeur sous-marin. Et quelques hommes demain. Je t'attendrai à l'hôtel Harem, c'est clair. Tu as bien compris. Oui? C'est vous qui avez demandé une malle? Une quoi? Hein? Alors, Tani, où en es-tu, chérie? Rendez-vous au doc et pas de blague. Manger. Je mange, tiens. Laisse-moi tranquille, ne me touche plus. Je pourrais te faire... traiter comme une reine. Laisse-la. Pouvez-vous me dire ce que je fais sur ce bateau? Que voulez-vous de moi? Quelques diamants. Et c'est tout. Alors vous m'avez séquestré. Personne ne paiera pour moi. Ça fait revenir la mémoire. Va donc jeter un coup d'œil sur la barre du capitaine là-dedans. Marc, c'est fini.
fume. Prêt à discuter? Parle, crétin. Qui est-ce qui commande ici? Encore lui. Un vrai arsenal? Un refuge de terroristes, pas moins. Il y a de quoi faire une guerre. Mais qui sont-ils? Mais qu'est-ce qu'ils voulaient, ces gens? Ce qu'ils voulaient, c'était des diamants. Ah oui, eux aussi. C'est très à la mode en ce moment. Ils me relâchaient qu'à cette condition. Ça valait bien ça. Doucement, papa. On n'est pas pressé. Heureux de vous retrouver, maître. Qui c'est? Le voilà, Marc, celui d'Amsterdam. Lui, c'est Chabert, dit le professeur. Vous étiez en affaire ensemble, si l'on peut dire. Asseyez-vous. C'est ça, asseyez-vous. Le professeur, tu as dit? C'est le plus sympathique des Marseillais, un bon plongeur sous-marin. Vous devez m'excuser. Lentement, ça me reviendra. On dit qu'il faut toujours retourner sur les lieux du désastre, qu'on retrouve ses souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a? La tête me tourne. Il vaut mieux que j'aille au lit. Il y a une chambre ici. Oui, sûrement. Omar est le meilleur plongeur sous-marin de l'endroit. Même les requins le craignent. Allez-y, je vous écoute. Merci. Je vous aiderai avec plaisir. Il est tombé un avion, il y a un mois. Vous pourriez le retrouver? En quoi ça vous intéresse? Je vous le dirai en temps voulu, mais ce que je voudrais dire tout de suite... c'est qu'il y aura beaucoup d'argent au bout. Voilà la maison. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Et le lieu où l'avion est tombé, on pourrait peut-être y aller, non? Et vous ne perdez pas de temps. C'était une boule de feu. Un flaque d'étincelles. Qui s'est éteint tout d'un coup dans l'eau. Un spectacle incroyable. Là, vous voyez, c'est juste à côté des écueils. C'est un endroit dangereux, un enfer d'âme. C'est trop tôt demain? Faisons un calcul d'abord. La maison, la barque et tout le risque. C'est beaucoup. Pour commencer, voilà un acompte. Et quand tout sera fini, il y en aura le double. D'accord. À une femme comme vous, je vendrai mon âme. Signe blanc à Aigle Royal. Les dauphins ont plongé. Ils commencent à pêcher. Fin du message. Terminé. Ne fais pas d'histoire, Tani, ouvre! Va-t'en, laisse-moi tranquille, oh!
Tu fais des simagrées avec les gens, avec moi, rien, c'est pas juste. Va-t'en, on a tout le temps d'en parler. Ouvre-moi la porte. Oh, mon petit poussin, je t'aime. Allez. Oh. 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 Qui êtes-vous, que voulez-vous? Tu croyais avoir affaire avec des enfants, l'avocat. Expliquez-vous. Abdul Pacha attend les armes qu'il a entièrement payées. Hey. Cette naissance, ça s'apprend pas. Finalement, tu es fatigué? Tu pourras te reposer dans la villa que j'ai louée. Tu arriveras à conduire? Tu as tout fait? Les bouteilles exploseront à la première immersion. Mais j'ai failli y passer. Tes gars n'étaient pas à la hauteur. J'étais à Chile et j'ai trouvé l'homme qu'il nous faut, Omar. Il connaît les fonds. Tu l'as payé?
Je lui ai donné un acompte. Il commencera les recherches à l'aube. Et je suis sûr qu'il réussira, car c'est l'homme le plus indiqué pour cette mission. Que le démon l'assiste. On aura la police sur le dos. Espérons avoir de la chance. Bétal. Ah, quel plaisir de t'entendre. Je le sais que tu n'es pas en vacances. Non, ces gens-là jouent sérieux. Je dirais plutôt, ce sont des gens qui n'ont pas de scrupules. Oh, ça ne me déplaît pas du tout. Laisse-les s'exterminer. À bientôt, lieutenant. Du nouveau? Ah, sergent. Dites. Demain, nous ferons une petite visite à l'auberge. On a déjà un cadavre sur les bras. Et nous nous occuperons aussi de Chile d'un peu plus près. Il flottait dans la piscine avec sur la tête un capuchon et un poignard dans le dos. On ne l'a jamais vu par ici. Tu travailles avec un mort dans la piscine et personne n'a rien remarqué. Quel pays merveilleux. On voulait être sûr de ne pas le manquer. Il y a autre chose. L'avocat a disparu, Gori. On en était informé. J'ai appelé la doctoresse exprès. J'avais pensé que c'était l'avocat. Il n'était pas rentré à la clinique, c'est donc pourquoi j'ai immédiatement pensé à lui. Regardez bien. Est-ce que ça pourrait être lui sans son masque? Non. Il n'y a pas de signe de chirurgie, donc pas une chance que ce soit l'avocat. Et celui-là, pourquoi se serait-il masqué? Eh bien, nous le verrons. Il y a une chose que je ne comprends pas. En somme, inspecteur, où est mon père? Mais qui nous dit que c'était l'avocat Gori? Et qui nous dit à qui elle a refait le visage? Mais est-ce que vous avez vu son lit? On dirait un vrai champ de bataille. Peut-être est-ce un rat d'hôtel qui a profité de l'occasion pour aller voler. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? Je vous répondrai après l'enquête. Je vous en prie, excusez-moi. Retrouver des momies, identifier des morts, c'est à mourir de rire. Intendant, mon père a disparu. Nous, on va retourner dormir. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu penses que Magda est d'accord avec son père? Magda sait ce qu'elle veut et pense pouvoir nous confondre. Mais elle n'a pas affaire à des amateurs. Peut-être sont-ils déjà en train de draguer les fonds. Louons une barque et ne perdons pas de temps. Tu veux aller y faire un tour? Oui. D'abord le petit déjeuner. Après, on verra. L'avion est tombé par ici. Omar est déjà au travail. Attendons-le. Ces bandages. Oui, mais qui nous dit que sous ces bandages, il y avait ton père?
Ça pouvait être n'importe qui. Que veux-tu insinuer? Un voyageur du même avion et amnésique de surcroît? Il peut avoir prétendu une amnésie pour nous tirer des renseignements. Dans ce cas, il nous aurait précédés. Uh-huh. C'est ça que tu veux dire? Uh-huh. Les compères de l'avocat Gori. T'as vu, il plonge aussi. Ils remonteront en morceaux. Alors, tu en as déjà assez? Non, une goutte d'air. Peine.
Tu as vu la momie, elle nous a eus, hein? J'ai vu, et ce n'était pas mon père. Qu'est-ce qu'on va faire de cette malheureuse? On va lui faire prendre un bain. Elle va tenir compagnie à son homme pour l'éternité. Belle journée, hein, professeur de mes deux. Tout est perdu. Il y a des journées qui se déroulent comme ça, madame. 50-50, hein. Vous n'êtes bon qu'à discuter, elle et toi. Tu t'attendais à un miracle, hein? Monsieur, c'est tout. Nous devons agir, rapidement. Les dauphins ont pêché les oursins de mer. Terminé. Il y a de bonnes nouvelles. J'aime ta liberté parce qu'elle est aussi la mienne. Confucius? Gandhi. Attends. Allô? Jessie, c'est moi, Alain. Les diamants sont réapparus, mais pas dans les bonnes mains, malheureusement. Oh, je m'y attendais. Mais qu'est-ce que tu fichais, toi et les autres? Et qu'est-ce que tu attends à essayer de les reprendre? Jessie, il y avait la police, on a fait ce qu'on a pu, hein. Essaye de comprendre la situation. Tu veux que je vienne t'aider? Où êtes-vous? À Chile, au promontoire. Viens, on t'attend, ciao. Achille. Angers, vol jusqu'à Venise. Là, il y a une barque d'eau de mer qui t'attendra. Tu atterris sur le pont. Elle te débarquera sur la côte turque. Salut. Est-ce que je vous dérange? Que savez-vous de mon patient? Pouvez-vous me dire quelque chose, mademoiselle Gorry? Cet homme n'était pas mon père, on s'est trompé. Ah, alors nous tous, les uns et les autres, nous avons été trompés. Mais ce qui m'inquiète, c'est sa santé. Pas nous, croyez-le. Je vous crois, mais moi, je n'ai pas les mêmes raisons. Savez-vous que le gars tué dans la piscine était des Pays-Bas? Ce n'est pas notre affaire. Nous, on s'en va demain. Ce n'est pas votre affaire, d'accord, mais si vous voyez mon malade, avertissez la clinique. C'est votre devoir, tant que vous êtes sur le sol turc, et ça, vous devez le comprendre. Hein? D'accord, nous le ferons. Docteur, si vous voulez nous excuser. Messieurs, je vous demande votre collaboration. J'ai besoin de quelques informations, et je vous prierai de ne pas vous éloigner de l'hôtel. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous n'avez rien à craindre, à condition d'avoir les cartes en règle. On a déjà fait nos valises? Ça signifie quoi? Des arrêts domiciliaires? Il y a une chose qui ne cadre pas exactement. C'est-à-dire? Vous étiez tous ici pour l'avocat. Tous ici pour escorter un infirme. Jusqu'ici, rien d'étrange. Des amis qui viennent pour fêter un ami ressuscité. Mais à l'improviste, le groupe commence à s'éclaircir, à se réduire. On a été attaqué. Et on ne sait même pas par qui. Ah, vous l'ignorez. Dites-le nous, qui c'est? Notre hélicoptère a trouvé un cadavre, Chile. C'était l'un des vôtres. Et le corps de votre ballerine. Et c'est tout? Ma patience a des limites. Si vous voulez, je peux commencer par vous, professeur. D'accord? Allons-y. J'arrange tout. Attendez-moi. Allons tout le monde dehors, dehors, vite! Un verre, lieutenant? Après toutes ces émotions, c'est pas de refus. Henri Chabert, fonctionnaire de l'Interpol. Je le savais. C'est divertissant de faire le double jeu? Si on sauve sa peau.
pour mettre les mains sur Gorry, je joue au bandit pendant 4 ans. Je suis content qu'on ne soupçonne pas ma personne. Mais ça, vous le saviez, non, inspecteur? Vous le saviez? Oui, nous le savions très bien. Grâce à vos rapports aussi. Je dirais que ce n'est pas toujours facile. Ce sont les risques du métier. Toujours sur le fil du rasoir. Mais les playboys ont un dieu avec eux. Et photogénique avec ça. Plutôt puissant, dont est l'objectif. Mais dis donc, qu'est-ce que je suis beau. On est dans un beau sac d'embrouille. Un émir, une momie et un hollandais aussi. Ils sont bien nombreux à se battre pour ces diamants. Ils se nettoient entre eux et laissent la maison propre. Tu as raison, c'est compliqué. Les diamants attirent les moucherons. Il y a des malfaiteurs et il y a des patriotes. Et dans le fond, les diamants convertis en fric peuvent financer leurs différents programmes. Mais nos héros n'ont aucun de ces idéaux. Et c'est dommage. Sauf celui d'amasser une grande richesse. Mmh. Eh bien, nous, on va se transformer en leur ombre. On va les avoir. Tu as quelque idée? Je vais jouer les choses à l'oreille, mais on verra. Et de toi, qu'est-ce que je vais faire, hein? Ah, ça, mon cher inspecteur, tu dois jouer à l'oreille, toi aussi. Mais il n'y a aucun problème. Alors, on va jouer à l'oreille. Ça veut dire quoi, ça, inspecteur? Je dois le garder. Ce n'est pas exactement un touriste. Emmenez-le. Allez, au revoir. Et pour nous, pas d'interrogatoire? Vous êtes libre de vous en aller. Je vais à la clinique. Si vous avez besoin de quelque chose, je pourrais peut-être vous être utile. Il a fini enfermé, et moi qui doutais de lui. Ça pourrait bien être un piège. Tu dis que... J'ai douté de lui depuis le premier instant, Alain. Et je ne me trompe jamais. On va y aller de nouveau. Tout seul? Qu'est-ce qu'on perd à essayer? La fortune nous assistera. Les anges correspondent à l'information. Les dauphins reprennent la mer. Surveillez Madame et Milord. Terminé. Je sais où ils vont. J'ai besoin d'une moto. Tu sais où en trouver une? C'est bon, lâche-le, Alain. Je crois qu'il nous doit quelque explication. Ce sera vite dit. Je les ai baisés en étranglant à moitié un gardien qui m'a enlevé les menottes. Et pour la moto, elle était dans la rue. Je ne pouvais pas abandonner l'affaire avec tout le bordel qu'on a créé. Vous ne me croyez pas? Toujours 50-50, hein? Vous avez trouvé? Ils sont cachés là derrière, dans la maison. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a une femme. Et la momie.
dérange? Démasque-toi. Ah, la peste, quelle horreur! Qui es-tu? Georges Lupi, géologue. Tu voyageais avec l'avocat Gori? Qu'est-ce qu'il est devenu? Noyé comme tous les autres. C'était un enfer, j'ai cru que c'était la fin. J'ai réussi à ouvrir une porte. Mais l'avocat, tu le connaissais? Oui, je le connaissais. Je l'ai suivi sur ordre de l'émir Abdul Pacha du Koweït, qui n'avait pas confiance en lui. Eh bien, bravo. Puis tu t'es fait passer pour l'avocat Gori, hein, le clown? C'était pour les diamants. Il me tentait. Oui, mais tout seul, je pouvais pas y arriver. Alors j'ai appelé Laura. Tu as une fille courageuse, donne-moi ça. Je ne suis pas sa fille, mais sa femme. Et alors, qu'est-ce que ça change? Hey. Elle n'y est pour rien. Lâchez-la. Où sont les diamants? Où sont les diamants? Je veux les voir. Ou je fais une tuerie. Où penses-tu aller? Assieds-toi. J'ai encore derrière la tête la bosse que tu m'as faite. Et les morts aussi sur ton compte. Il y a l'Hollandais, Marc et Tani, et les autres aussi. J'ai dû me défendre. Ils voulaient me tuer, ils croyaient que j'étais gorille. L'émir Abdul Pacha l'avait envoyé lui aussi. Il n'avait pas confiance. Attaque, Omar! L'avocat Gori. Toujours bien informé. J'ai entendu parler de vous. Noble, altruiste et contre toutes les exactions. On en a besoin quelquefois. Pour mettre fin, pour y mettre fin. Mm-hmm. Très juste. Laura! Laura! Thank you.
Oui, filons. J'ai la peau dure. C'est un massacre. C'est un nettoyage. Je, au dernier sang. Et les diamants? Loin. Ce n'est plus notre affaire. Diamants, madame. Un peuple attend pour sa liberté. Où sont les diamants, madame? Ok, suivez-moi. Venez. Ah.
Retournons. De calme. Il ne vous arrivera rien. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? On ne nous amuse pas de jouer avec le feu, mais quelquefois, il le faut. Mais pourquoi? Vous êtes des terroristes, des bandits? Nous haïssons la violence. Nous sommes des patriotes. Nous voulons que le monde vive en paix. Représente notre liberté et vous nous les avez pris. Ils nous permettront d'avoir des canons à opposer à des canons. Nous avons 10 secondes. Vite, sortez tous. The dream.